Professons notre foi, la foi de toute l'Église. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et c'est ici la chambre de Bernadette où elle est née. Et les meubles ne sont malheureusement pas d'origine, parce que tout a été vendu. Voilà, la chambre où Bernadette est née. Il y a encore des gens derrière ? Très bien. Bon. Alors, on c'est la chambre des parents. Donc si vous voulez prendre des photos, pardon, n'hésitez pas à les prendre maintenant. Donc voilà, François était vraiment quelqu'un qui est connu pour un amour du travail d'artisan, ce travail dans le moulin, pour sa générosité. Donc en général, ce que je propose aux gens, n'hésitez pas à descendre hein, si vous voulez prendre des photos. Ce que j'invite aux gens quand on vient visiter ce lieu, de ne pas simplement le considérer comme un lieu de visite historique, mais vraiment d'essayer de capter, je dirais presque, l'atmosphère qui baignait ce lieu-là, qui était une atmosphère d'amour, parce que c'est vraiment une famille qui était restée soudée dans l'amour, une famille qui était restée soudée dans la prière et dans la charité.